Espace Jeune Vidée sur Marne. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez été sélectionné pour le Basic Sport Tour. C'est ça. Bonne chance. Merci. Au revoir. Bonne chance, Alain. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi les bagues? C'est ça. Regarde. Ouais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sport vraiment international, la tribu de Tarahumara, la course comme au Mexique. Les Indiens Tarahumara du Mexique, dont le nom signifie « ceux qui ont les pieds légers », sont des coureurs de fond avérés. Leur traditionnelle compétition de course à pied est connue dans le monde entier. Une course où, poussant au pied une boule de bois de 10 cm de diamètre, ils doivent parcourir près de 300 km. Ils volent à petite foulée sur des terrains totalement suicidaires. Basic Sport a repris l'idée de cette course pour en faire une épreuve de cohésion. Deux équipes reliées par un élastique vont devoir faire 4 tours de piste en poussant à tour de rôle la balle qu'ils auront fabriquée avant le départ avec un drôle de matériel. Ils zigzaguent entre les murs potophiques. Alors ça y est, ils se sont qualifiés en 1 minute 30 seulement. Juste 1 minute 30. Bah désolé pour vous. Hein. Voilà. Le katao ou sepak takraw est un sport d'équipe très populaire en Asie du Sud-Est. Proche du volley-ball, son nom sepak, pied, takraw, balle, explique en deux mots la particularité de sa règle, où c'est avec le pied, le genou, la tête, le coude qu'on envoie le ballon, le lancer de la main étant proscrit. Basic Sport Tour a adapté la règle pour en faire un sport divertissement, tonique, tactique et dynamique, avec panier au sol. Ça c'était le kata, ok. Donc vous avez vu comment ça se passe, ça va être chaud. Bonjour, aujourd'hui nous présentons le Coco. C'est un chat amélioré qui est très physique, hydraulique, c'est sportif. Voilà, voici le Coco. Coco. Le Coco indien est un sport de poursuite qui était considéré par les hautes castes comme un sport de pauvres. Il s'est développé à la période de la libération de l'Inde. Les indépendantistes encourageant les jeunes à jouer au coco national plutôt qu'au tennis et cricket importé par les Britanniques. Désormais, ce sport est reconnu. C'est même une discipline de démonstration au dernier JO d'Asie. La partie de coco de Basic Sport Tour est aussi palpitante que celle de Mumbai en Inde. Souplesse, endurance, agilité, tactique et des explosions de vitesse. Un rythme intensif qui rend vite accro à ce jeu sportif. Les souris, abat les souris, bat les souris. Très très lourd, le coco. Cube est un jeu de tradition viking. Cube veut d'ailleurs dire bloc de bois en suédois. Né sur l'île de Gotland, la plus grande île suédoise de la mer Baltique, ce sport de lancer allie habileté, stratégie et cohésion entre les joueurs. Il a d'ailleurs son championnat du monde annuel et connaît depuis une dizaine d'années un vrai regain de popularité. Basic Sport Tour a créé une variante de ce jeu collectif pour le rendre très convivial avec un hommage humoristique et casqué aux Vikings d'Europe qui, au 9e siècle, jouaient au cube sur leurs terres scandinaves et lors de leur expédition vers la Nouvelle-Zélande en Océanie, un pays qui en a fait aussi un jeu traditionnel national. Lutte sénégalaise. Ses origines sont lointaines. Il faut savoir que ce sport était jadis pratiqué dans les campagnes pour célébrer la fin des récoltes. Durant cette fête, les hommes luttaient pour mesurer leur force et l'ont désigné le champion du village. Les règles sont simples. L'arène est délimitée par un cercle de sacs de sable. Chaque lutteur essaye de faire tomber son partenaire. Le premier qui met ses quatre appuis au sol, qui se couche sur le dos ou qui sort du cercle en tombant est déclaré perdant par l'arbitre. Le tournoi de lutte est précédé d'un cérémonial avec le baku, un chant de bravoure censé donner de l'énergie au lutteur, intimider l'adversaire ou séduire le public, en dansant au rythme des tambours. Basic Sport a créé une épreuve originale. Chaque lutteur a son coach. Tous deux préparent avant la lutte un chant de bravoure à leur façon. Un chant qui sera repris par le public pour encourager les participants durant le tournoi. Thank you.
Est-ce que vous avez compris? Ouais. Tout le monde passe ou je passe. Ouais. Ok ouais. Allez, on y va. Tu crois que t'es balèze, on est chaud comme la veste, on va piller à la lutte sénégalaise. Bravo.